sécurité d'une défaite. Nouvelle règle du jeu lors des audiences du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à La Haye. Les juges de la Cour pénale internationale ont décidé de restreindre la retransmission de certaines d'entre elles en direct sur Internet. La mesure est entrée en vigueur ce mercredi lors de la reprise du procès de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Le président de la collégialité des juges, Kounou Tarfusseur, explique que cette mesure vise à garantir la sécurité des témoins dont l'identité est censée être confidentielle et surtout de préserver l'intégrité du procès. Une référence à la publication des noms de certains témoins protégés sur les réseaux sociaux. Reste que la plupart des identités révélées l'ont été du fait du procureur ou des témoins eux-mêmes. Les juges ont tout de même assuré que les enregistrements des audiences seraient accessibles avec quelques semaines de décalage afin de permettre à la Cour de censurer des éléments permettant d'identifier les témoins protégés. Et des voisins de quartier.